Et salut à toutes et à tous, ici Petit Seb et je vous souhaite un bon retour sur Steam World Dig pour ce vendredi matin où je me suis mis à parler à la dame du saloon. Hein. Donc j'ai plus d'argent, c'est pas la peine que je regarde. Ah si, j'avais trouvé un téléporteur, je crois. C'est pas la peine que j'aille là-bas. Un téléporteur. Yes. Allez. Ok. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est une bonne question. Oh, du minerai que j'ai pas récupéré. Déjà quand même. Olé. J'ai une idée. On va passer par là. Par là. Non mais... Oh. Par là. Oh, lui il a un joli bâton de dynamite. Oh l'imbécile, il s'est tué tout seul. Du coup je vais aller récupérer l'eau déjà. Mince, c'est l'autre à côté. Parti. Bonjour. Ouais mais je peux pas le tuer d'ici. On va passer par là. Ok. Ah, j'ai trouvé un signal là, pas loin. Allez. Boum. C'est par ici. Ah, c'est juste là. Eh, on a retrouvé de la terre. Oui, j'ai un peu speedé. Mais c'est pas grave. Oh, il y a un tank et il y a une grosse chaudière. Et une échelle. Hop, 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 ça fait mal. Et boum, j'ai trouvé. Et comme j'ai rien récolté, j'ai du mal à creuser. Il me faut 50 000 coups pour y arriver. Alors là, comment est-ce qu'on fait? Je sais plus comment on utilise. Comme ça. Et voilà. Plein de bouboules bleues. Hop, on déséquipe ça. Et comment on fait pour exploser la boule de l'intérieur là? Et je peux savoir. Oh la technique. Péter ça pour péter le tonneau d'au-dessus pour péter le mob. Au revoir. Ah bah y a toute une famille ici.
Ah, il a le symbole de Half-Life 3. Enfin, on sait pas s'il existera un jour, mais... Ok, donc là, je peux pas y aller. Mais là, je peux. Allez, quitte à visiter une grotte, autant le faire bien, hein. Ah, y a le truc qui est au-dessus. Alors là, si je pète ça, que je pète ça. Voilà. Trouvé. De vapeur. Ah ouais, quand même. C'est violent. Ça prend un peu de l'eau aussi pour fonctionner. Aïe. Je passe comme ça. Et là, est-ce que ça marche comme ça là? On n'a pas l'impression. Hein. Ah oui, ça y est, j'ai une idée. Ah, je pensais pas que ça ferait ça, mais. Là, elle veut pas casser. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va casser ça. Et là, c'est pas grave, on a eu ce qu'on voulait. Hop, on est reparti. Donc là, il faut qu'on continue à descendre, je suppose. Hop, ramasser un peu de minerai au passage si je veux pouvoir m'améliorer. Sinon, je vais encore finir à 14 000 coups de pioche pour un bloc. Et ça va pas être super. Oh. Ah, décidément. Allez, viens là. Bam. Viens là. Bam. Viens là. Et voilà. Problème résolu. J'ai envie de faire tomber des rochers. C'est pas moi, je suis parti loin. Je sais pas du tout où je vais. Mais il y a de la lumière en dessous. J'ai eu pas mal de choses du coup. Donc ça fait péter ça. Non, j'ai pas eu le temps de péter mon. Ah, j'ai pas eu le temps de péter mon bloc. Est-ce que je peux l'avoir avec le nouveau gant là? Yes! C'est ça que c'est bon. Ce gant est bon. Moi je vous le dis, je vous l'affirme. Je vous l'assure. Par contre, j'ai quasiment plus de lumière. Il faudrait que je pense à remonter. Ah, j'ai plus de place. Ah bah je me suis fait avoir. Ah purée, je peux avoir les prix là, je savais même pas.
façon, je repasserai le chercher après, alors... Ouais, mais là, je peux pas remonter. Ah, je suis piégé. Hop là. Faudrait que je fasse un endroit pour descendre. Voilà. Enfin, plutôt un endroit pour remonter, mais... de lumière, c'est cool. J'aime voir ce que je fais. Alors là, c'est par où? Oh, mais je t'ai eu, saleté dormante. Ah, il y a une grotte juste au-dessus là. Ah, c'est bon à savoir. J'ai réussi à le tuer avant qu'il ne fasse péter sa dynamite. Oui, je sais, t'as besoin de lumière pour y voir clair. Voilà, ça te va, un peu de lumière. Allez, là il y a de l'eau. Hop. Je fais péter le tonneau au passage, pourquoi? Parce que j'ai envie. Pour quelle autre raison ferais-je péter un tonneau sinon? Elle dit que je vais bientôt trouver le fond de la mine. Yep, j'ai amélioré des trucs apparemment. Alors, je peux améliorer ma pioche, ma foreuse, le sac, je suis à fond. J'ai mon réserve, j'ai 700, hein, donc... hydraulique améliorée, moins 33 de pertes, ça coûte 500. Ça, ça fait mal. Et moi, j'ai besoin de la pioche obligatoirement là. Il me fallait obligatoirement la pioche. Et puisque c'est comme ça, je la prends une deuxième fois. Voilà, je l'ai améliorée à fond, mais au moins, je suis tranquille. Ça pour tirer plus d'eau des bassins, je prends. Et puis voilà. Hein. Ils me disent de retourner dans la mine. Hop, on est reparti. Alors, c'était pas par là où j'avais laissé un... Juste là, là, je crois. Voilà. Oh! Ça, je le veux. Wouhou! Ça m'a même laissé du minerai. Ah, les enfants, ils m'ont bloqué par contre. Péter ça par là. Voilà. Et j'ai tellement amélioré la pioche, je casse tout en un coup. Voilà. Pas très évident à passer par ici. Je vais. Voilà, ça me permettra de pouvoir sauter par-dessus. Je vais remonter. Hop. Je vais m'occuper de ça. J'aime pas ces trucs. En plus, ça fait du bruit et c'est gênant. Ok. Alors, on va passer un peu par d'autre côté. Par là, par exemple. Ouais, je vais arriver. Des trous partout, c'est pas grave.
Ah si, il y a des choses par là. Ah, le bruit de la foreuse me pète les oreilles. Ouf. Voilà, ça sera mieux comme ça. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Allez. Obsidienne encore. Hop, impeccable. Ah, il a même pas réussi à faire péter le goûteur de poison d'acide. Là, je peux pas y aller. Là non plus. C'est par là. Ok, c'est la foire aux champignons. Oh purée, de quoi donner mal à la tête. Zone secrète en même temps, il y a un seul bloc qui a pété. Dans un coin. Il s'imaginait quoi? Ah d'accord, ça rebondit pas assez haut, c'est tout. Merci. Non, je suis retombé en bas. Ah, on va y arriver à force. Hop là! C'est bon, j'y suis arrivé. Et nous voilà ressortis. Formidable. Mince, je suis raté. Bon, c'est pas grave. Hop, on descend. J'ai raté plein de trucs là. Hop. Est-ce que là il y a des... Non, il n'y a rien à ramasser. Là par contre, j'ai vu que oui. Ok. Donc on va continuer à descendre. En espérant que j'ai rien raté. Et je vais finir par réussir à me tuer. Hein. Technique spéciale. Ah, du mine pas celui-ci. Alors. On a encore un dormeur. Il y a quelque chose en dessous là. Et je trouve de l'uranium quand même. Je veux pas dire, mais je trouve de l'uranium. J'en étais sûr. J'ai voulu insister, mais je me suis dit, ouais, je vais le tuer avant et tout, trop cool. Ben non. Heureusement, perdre 50% vu que je venais de tout vendre, c'est pas bien grave. Il faut juste que je fasse attention par où je descends. J'ai besoin d'eau. Bah ouais, bien sûr. Alors normalement, je dois remplir 3 cases. Ouais, punaise. J'ai bien fait de prendre le... L'amélioration pour porter, pour récupérer plus d'eau. Ah,
pas par là. Alors. Attends, c'est toi. Boom. Ah, ils sont résistants, sauf que si tu les fais tomber, ils meurent tout de suite. Ça, c'est impressionnant. C'était pas moi, c'est pas vrai. Je sais même pas ce que c'est comme minerai que j'ai rien récupéré, mais j'en ai récupéré, ça c'est sûr. Ah, grotte numéro 3. J'ai bien de finir la 2, donc c'est la bonne. Ça va péter. J'ai dit ça va péter. C'est tout. Oh, ce carnage. Oh, ça continue. Et encore. Pas dû faire ça. Non mais j'ai même plus de place. Je vais pas y arriver. Hein. Là. Et puis je vais m'arrêter ici pour cette fois. Donc je vais remonter vendre tout ce que j'ai. Et me préparer à descendre dans les entrailles de cette grotte numéro 3. Donc sur ce, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à laisser le gros pouce bleu, le commentaire, à partager la vidéo avec vos amis. Et puis nous, on se retrouve... vendredi prochain pour la suite de nos aventures au fond des mines du Far West. Allez, salut tout le monde. Hey, watch out.